Les pompiers, j'écoute. Donc on est parti, accident de circulation qui l'accompagne. Extraction de la victime en urgence. Les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour, je suis assis à la campagne, il y a une voiture qui est sortie de la route. Il y a une femme à l'intérieur et elle bouge pas. C'est quoi le nom de la rue à Tilly-la-Campagne? Je suis sur la départementale 230 et c'est un peu avant l'entrée du village. Là, je vous mets en relation avec le SAMU, monsieur, ne raccrochez pas. Parfait. Les pompiers sont partis, merci, au revoir, monsieur. Une mission, deux situations. À votre avis, quelle sera la bonne? On est parti, accident de circulation, Tilly la campagne, on a une notion de femme enceinte. On fait attention, la route sur Tilly est étroite. Elle déralentit, là il y a un virage qui est serré, va mollo. Ouais, j'ai vu. Mollo, je te dis, là il y a un pont, là c'est étroit, tu ralentis maintenant. C'est bon. Attention la voiture. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de rouler moins vite. Regarde le résultat, mais regarde Elodie. Passe-moi la radio là pour que je puisse refaire un renfort. Codis 14 de VSAB 165 Yves qui vous appelle. Parlez VSAB 165 Yves pour le Codis 14. Codis 14 de VSAB 165 Yves, je vous informe qu'en nous rendant sur le lieu de l'intervention, nous avons été victimes d'une sortie de route. Est-ce que vous avez des blessés? Est-ce que vous êtes capable d'assurer la mission? Je suis au regret de vous informer que nous pouvons assurer la mission d'urgence. J'ai un blessé léger ayant percuté le pare-brise avec sa tête lors du choc. Il faudrait engager rapidement un VSAB pour garantir l'intervention. Oui, bien reçu, donc je vais engager VSAB Bretteville. Oui, bien reçu pour le VSAB IF-165. Fin de mission pour la première équipe, pour l'autre, 15 minutes après, c'est loin d'être le cas.